C'est parti, on se retrouve. On se retrouve. J'avoue un truc. Tu t'as fermé. Quoi? Mimi, passe-moi les sacs qui sont là, s'il te plaît. Assistante Mimi Miel. Ouais. Ça, c'est la vraie. Unique. La seule. Celle qui me prend en photo, c'est elle. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un haul. Donc c'est un haul printemps-été. Pour ceux qui habitent en région parisienne, vous savez que le temps là, il est bizarre. On a un temps bizarre. Donc là, ma sélection, elle va quand même avec le temps. En vrai, de vrai. Après, il y a des trucs qui sont vraiment pour l'été. J'ai pris de la couleur. Bref, je vais vous montrer tout ça sans plus tarder. Comme d'habitude, vous savez que je fais des partenariats assez souvent avec Shein parce que bah, je suis en collaboration avec eux sur le long terme. C'est une petite parenthèse. Donc, tous les liens seront dans la barre d'infos. Si le lien n'est pas dans la barre d'infos, ça sert à rien de m'écrire en commentaire. Parce que je sais que vous faites ça. Des fois, vous écrivez dans les commentaires pour dire oui, le lien, il n'est pas en barre d'infos, etc. Mais si le lien, il n'est pas en barre d'infos, c'est que l'article, il est en rupture de stock. J'ai tourné une première partie. Donc là, je vais vous mettre sur l'écran. J'ai pris plusieurs chaussures. J'ai pris les sandales noires à scratch. Elles sont trop belles. Franchement, j'aime trop. Mais j'aime vraiment trop. Ça change de style et tout. J'aime trop. Ensuite, j'ai pris des talons beige. Les talons beige, franchement, pour vous dire la vérité, je suis pas très très fan. Le talon, il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Il y a des sangles, il y a des trucs par-ci par-là. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de rapidité en fait. J'ai besoin de rapidité. Donc, je vais devoir m'organiser 10 minutes avant de mettre les chaussures. Ensuite, j'ai pris une paire de talons, mais ma paire préférée, c'est les talons orange. Je vais vous montrer la tenue que j'ai fait avec ces talons-là. Magnifique pépite. Une paire de tongs. De toute façon, je pensais que ça allait faire beau parce que vous savez, j'avais vu des filles sur Insta qui mettaient des tongs et c'était super beau, sauf que déjà c'est hyper grand. Après moi j'ai le pied fin, genre vraiment vraiment fin. J'ai le pied fin, long et plat. Je fais du 38 mais mon pied il est long, je comprends pas. Si vous avez un gros pied ça peut faire joli, mais pour les gens qui ont des pieds fins je conseille pas du tout. Je crois que c'est tout au niveau des chaussures, si j'en ai oublié ça sera affiché sur l'écran. Continuer dans les accessoires, j'ai pris des sacs. Alors j'ai pris ce mini sac là, c'est un petit sac noir. Il est vraiment tout petit mais j'aime trop. Il existe en plusieurs couleurs, vous avez jaune, violet et vous en avez un vert. Et genre ça fait un dégradé de couleurs, il est hyper beau, j'ai hésité à le prendre mais j'ai pris le noir finalement. Vous avez une bandoulière, je ne vais pas la retirer mais vous avez une petite bandoulière pour mettre, bah, porter le sac en bandoulière. Je pense que je vais porter genre comme ça. J'aime trop porter des petits sacs comme ça. Ça fait trop... Vous voyez, je kiffe. On rentre dans le thème vacances. J'ai pris un sac en paille comme ça. Il est magnifique. J'aime trop les sacs en paille. Je trouve que ça fait grave son effet avec une tenue blanche, beige. Même de couleur orange, ça peut bien le faire. Vu que ça fait trop son effet, c'est trop beau. Vous avez aussi une bandoulière qui est ici. Pareil, ce sac-là, je pense que je vais pas le porter en bandoulière, je vais le porter comme ça. Ensuite, j'ai pris un sac, je pense qu'il ne sera pas au goût de tous. En plus, un sac de plage, mais personnellement, je vais pas attendre la plage pour le porter en fait. C'est un sac orange et rose. J'aime trop la couleur. J'aime vraiment trop. Je trouve ça trop beau. Après, j'avoue, je sais pas comment je vais le porter. Parce que je trouve que les hanches, elles sont pas trop pratiques. Bon, je commence par mon coup de cœur de ma commande. Genre mon truc préféré, mais vraiment préféré. C'est un ensemble magnifique. C'est ce que je porte dans ma dernière vidéo. C'est un t-shirt chemise polo façon et magnifique. Tiens, elle est... C'est pas côtelé, mais vous avez des petits motifs. Il est trop beau. Et du coup, vous avez le pantalon qui va avec. J'ai pris une taille M. Pantalon. Je vais vous préciser parce que vous allez le voir dans le close-up, vous avez un petit short en dessous. Et ça fait pas vulgaire parce qu'en fait le t-shirt il est long, donc ça va cacher vos fesses. On voit juste le short à l'avant, moi je trouve que c'est grave passable. Je peux grave le porter genre pour sortir dehors comme ça. Vraiment cet ensemble là j'ai hâte de le porter de ouf. Et un ensemble, une taille S, j'aurais peut-être pas dû parce que je le trouve court en fait. Vous avez un bustier comme ça, le bustier en fait il se noue donc vous aviez... une espèce de un petit bandeau là pour faire le nœud. Avec ça, vous avez du coup le petit short. Dans l'ensemble, il est trop mignon. Vous calez ça en été, vous êtes bien bronzé, vous allez à la plage et tout. Et c'est trop beau. J'ai pris un ensemble quand je vous dis j'aime trop. J'ai trop hâte de porter ça parce que ça me rappelle les vacances en fait. J'ai pris alors une chemise. La matière, c'est comme ça. Je sais pas c'est quoi comme matière, mais on dirait du papier crépon de façon. Avec le bronzage et tout, ça va faire trop beau. J'ai pris une taille L pour que ça soit bien oversize. Et ça, vous avez le short qui va avec. Le short, pareil, c'est aussi une matière assez spéciale. Par contre, il n'y a pas de poche. J'aime pas les vêtements qui n'ont pas de poche, genre les bas. Mais bon, c'est pas grave. Look total blanc avec, par exemple, le sac en paille et des sandales blanches. C'est pour me tuer, en fait.
c'est pour me tuer. Vous allez dead ça. Restez dans les vêtements été et après je vais passer aux vêtements printemps, été, enfin des vêtements que vous pouvez mettre en été ou au printemps. Là j'ai pris un ensemble blazer, short, et puis une taille M. Ouais, vous pouvez le mettre en été comme vous pouvez le mettre au printemps, mais j'aime trop. Ça fait hyper classe, donc vous avez le short qui est comme ça. Je sais pas pourquoi je vous ai montré le short en premier, mais bref. Vous avez aussi le blazer, donc le blazer vous avez des petits détails. Ici vous avez comme une poche. Ici vous avez des poches mais c'est des fausses poches. En fait j'aimais trop la couleur et je trouve que ça change et ça fait hyper classe. J'aime trop 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 trop. J'ai acheté une paire qui ira super bien avec, donc j'ai trop hâte de caler l'ensemble. Une combinaison, je vais vous dire comment je vais la porter parce que vous allez vous dire c'est moche. Parce que quand ma soeur elle a vu, elle m'a dit c'est un pyjama. C'est pas que dans ma tête ça vrille et c'est pas que dans ma tête les vêtements, tu peux me dire ce que tu veux, pyjama, truc, la manière dont tu vas accorder le vêtement et la manière dont tu vas le porter, ça va changer tout. En fait. Donc, peut-être là, vous allez voir le vêtement, vous allez dire, Canel, t'abuses. B-short, genre loose. Elle n'est pas du tout moulante et tout. Vous avez deux petites poches. Je portais ça avec les sandales noires que je vous ai montré en début de vidéo. Et avec un sac à bandoulière, soit le sac à bandoulière noir, soit le sac en paille. J'ai trop hâte, avec un petit chapeau. Trop beau, en fait. Donc là, une autre tenue que j'ai prévue dans ma tête avec du coup le sac orange que je vous ai montré en début de vidéo, les talons orange. Donc j'ai pris une petite chemise qui est retroussée au niveau du bas et le derrière aussi il est retroussé. Par contre j'ai pris une taille S, elle me sert au niveau des bras. Après moi j'ai des gros bras, franchement j'ai des gros bras. Si vous n'avez pas des gros bras, ça va vous aller. Elle est magnifique. Elle est magnifique en fait. Je vais être avec cette petite jupe orange. Elle est magnifique, purée. J'ai trop hâte de vous faire mes outfits d'été en fait. Ah oui aussi, donc le haut que je porte là, enfin vous le voyez autant que haut, mais c'est une combinaison. Donc c'est une combinaison beige à zip. Je vous mettrai de toute façon le close-up sur l'écran. Elle est hyper agréable. J'ai pris une taille S. Donc je comptais mettre ça avec une longue veste en jean, sauf que la veste en jean elle est en rupture de stock sur Shein. Mais j'avais une idée genre de tenue avec une longue veste en jean bien bleue. Mais bon, c'est pas grave. Ou même avec un blazer beige, ça peut grave passer. J'ai pris une combinaison beige comme ça qui est retroussée. Vous pouvez faire des nœuds au niveau du bas. J'ai pris ça pour aller avec les talons beige du coup. J'ai trop hâte de vous faire des outfits. Les filles, si vous achetez ça là, non. Ensuite, là, on va passer à la catégorie du coup printemps-été. Le prochain article que je vais vous montrer, vous allez grave l'acheter parce que j'ai grave reçu des messages sur Insta quand je l'ai porté. Je l'ai porté pour aller à l'église. Il est magnifique. Donc, c'est un ensemble vert anis. La matière, elle est comme ça. C'est une matière un peu plissée. Trop agréable à porter, bien fluide. Donc, vous avez deux boutons ici et ensuite, c'est ouvert. Personnellement, j'avais rentré un peu dans mon pantalon... la chemise, pour ceux qui m'ont sur Insta, vous avez vu. Elle est franchement trop beau. Du coup, avec le pantalon comme ça, j'ai pris une taille L et il me va parfaitement. Donc voilà, en dessous, ça rappelle les manches du coup au niveau de la chemise. Il est trop agréable, il est fluide et tout. Franchement, les filles, achetez-le, foncez. Du coup, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta, vous pouvez voir que je fais du sport. Bon, pour l'instant, je vois pas trop de résultats. On va dire on est dans les débuts. Hein. J'ai pris un ensemble de sport marron. Brassière, vous avez des petits coussinets et tout. Et je vous conseille de le mettre sans soutien parce que mettre des brassières avec des soutiens, je peux vous dire que votre poitrine, elle est compressée comme never. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai pris une taille S. Vous avez le bas qui va avec. Donc, c'est un legging qui est côtelé. Il est hyper épais. Le niveau des fesses, il est comme ça. Le fait qu'il y ait ça, là, ça embellit les fesses. Voilà, c'était une petite précision. Et ensuite, j'ai pris un autre legging de sport. Et les filles, il est magnifique. Mais vraiment magnifique. Et il n'est pas transparent. Après, quand je vous fais les close-up, en général, j'essaie de mettre des sous-vêtements neutres. Donc voilà, je vous précise parce que je sais qu'il y a certains vêtements qui sont transparents. Et c'est chiant. Là, j'ai pris un ensemble blanc qui n'est pas transparent. Il est bien épais. Et pareil, il est côtelé. Mais il est magnifique. En plus, moi, j'aime trop les oasis. Il est trop beau, franchement il est trop beau. J'ai pris une taille S. Au niveau du pantalon, le pantalon il est comme ça. Vous avez un petit nœud et ça c'est gainant. Donc voilà, pareil il est côtelé.
Ensuite, j'ai pris un ensemble, encore une fois, mais c'est pas un ensemble de sport. Enfin, vous pouvez le mettre pour aller au sport, vous pouvez le mettre pour aller partout. Mais j'ai pris une taille S. Je suis hyper compressée. Quand je dis je suis hyper compressée dedans, je suis compressée. Je suis compressée. Et il est long. Il est long. Genre, le pantalon, il est archi long. Alors que je suis pas petite. Je fais 1m67. Bon, je suis pas grande non plus, mais... C'est trop comment il est long. Donc j'ai pris un body comme ça, gris, tout simple. Du coup avec le legging qui est comme ça, tout simple, efficace. Voilà, vous collez ça en ziac. J'avais oublié de vous montrer cet ensemble de sport. Donc c'est un haut noir comme ça. Je ne pensais pas qu'il était transparent, mais en fait vous voyez ça là, c'est transparent. Ça peut passer si vous mettez une brassière noire en dessous. Mais le bas, pardon, j'étais choquée. Attendez, je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir. Donc le bas, en fait, il est comme ça. Donc au début, je croyais que c'était un legging normal. Jusqu'à ce que je regarde mon derrière. Derrière, je vois ça. Vous voyez, là, on se dit, c'est rien. Et regardez la bande. Genre, elle est transparente. Après, si vous le prenez en large, de où ça va pas être transparent. Parce que là, quand je pousse, vous voyez ma peau. Et quand je pousse pas, vous voyez pas ma peau. Et moi, j'ai pris une taille S. Donc ça veut dire qu'on voit ma peau. Genre, il me compresse bien. L'ensemble, du coup, de la gamme Daisy sur Shein. Elle est super bien, cette gamme. Elle est super belle. Donc, c'est un ensemble de blazers beige, comme ça. J'ai pris une taille XL, parce que le XL chez eux, c'est du 38. Bon, par contre, le blazer, je le trouve trop grand et trop long. Ensuite, vous avez du coup le pantalon tailleur. Moi, il est juste au niveau de mes chevilles. Genre, j'aurais été plus grande, genre 1m70, il aurait été sauté. C'est une robe. Je pense que je vais me la prendre en plusieurs couleurs, donc ne soyez pas choqués si vous la voyez dans mon prochain haul. Et elle est trop agréable. Genre, c'est une robe, elle est côtelée. Et la matière, elle est extensible de ouf. Elle est agréable à porter, mais genre... Quand je vous dis agréable, c'est trop agréable. Elle est longue et vous avez plein de boutons au niveau du milieu. Quand il fait un peu froid, un peu chaud, vous mettez ça avec des petites claquettes ou même avec des baskets. Je pense que ça passe de ouf. Des baskets qui font pas basket, mais des petites baskets et ça fait trop beau. Ensuite, j'ai pris un petit blazer comme ça que vous pouvez nouer. Genre, vous faites un tour. De toute façon, vous allez le voir dans le close-up aussi. C'est un blazer du coup court. Et je comptais mettre ça avec un pantalon taille haute beige. Et j'ai pris un trench en cuir. Ma soeur, elle m'a terminé quand elle l'a vu. Elle m'a dit qu'on dirait que j'étais Matrix, que j'étais une gothique et tout. Porté comme ça, on pourrait croire que... Voilà, c'est pas très très joli. Mais si vous le portez sur vos épaules avec un petit ensemble, avec un petit truc, je suis désolée, ça peut faire beau en fait. Mais ça, c'est dans la tête. Faut faire la tenue dans la tête avant tout. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, bah, c'est un trench en cuir. Voilà, tout simple. Il m'arrive pas au niveau de la cheville. Il m'arrive un peu en dessous des genoux. Après, moi, j'aime bien les manteaux qui me vont vraiment, genre, à la cheville. Quand ils sont longs, j'aime bien les manteaux qui me vont à la cheville. Je trouve ça super beau. Vous avez une petite ceinture pour cintrer, du coup, le trench. Mon article préféré, c'est des crocs. Regardez, j'ai pris des crocs avec des chaînes. Elles sont trop belles. En rose comme ça, je voulais trop des crocs. Regardez-moi ça. Clairement, je vais faire une photo sur Insta avec. Elles sont trop belles. Non, mais je sais pas si vous réalisez en fait. En fait. J'arrête de dire ça. Bref. Donc voilà ma sélection printemps-été. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez peut-être trouver votre bonheur, quelques petites pépites dans ce haul. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour si vous prenez quelque chose. Ou à même m'envoyer genre ce que vous avez pris. Mon snap, il est dans la barre d'infos. Donc vous pouvez m'envoyer en vidéo. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font. Ou même sur Insta, je regarde à chaque fois, j'ouvre. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Que vous preniez les articles que je vous ai montrés. Ça veut dire que vous aimez mon style, en fait. Bref, comme j'ai dit en début de vidéo, tous les liens seront dans la barre d'infos, sauf pour les articles en rupture de stock. Comme d'habitude, vous avez un code promo, donc le code promo sera aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Besos !